Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est un énorme problème pour moi sur le Honor 9 Lite. Alors, ça va être une vidéo ultra rapide puisque foncièrement, j'ai rien à vous dire à part de voilà des conneries. Le Honor 9 Lite, pour rappel, c'est le téléphone que je teste maintenant depuis 2 semaines. C'est un excellent smartphone à moins de 200 euros. C'est la référence en 2018-2019. D'ailleurs, à ce propos, bonne année. Eh, bonne année! Bonne année, bonne santé! Bonne année! Je vous ai même pas dit bonne année, c'est n'importe quoi! Bonne année à tous! Et puis bonne année 2019, ouais! Bonne année, pourvu que ce soit une belle année pour tout le monde! Donc on continue sur les vidéos. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Donc c'est un problème que moi j'ai repéré. Alors, c'est très subjectif encore une fois. Mais en fait, l'écran, il est au format 18/9. Mais. Et ben voici un exemple au moment où je vous parle. Quand vous regardez par exemple une story Instagram ou une story Snapchat, parce que je fais que ça de mes journées, quand je regarde une de ces stories là, et ben on voit très clairement le problème. C'est-à-dire que quand il y a du texte qui se trouve au bord, et ben il est caché ce texte. Tout simplement parce que les stories sont au format 16/9 et pas 18/9. Et ce que le téléphone se contente de faire, c'est de supprimer les barres noires en haut et en bas en zoomant, en croppant l'image. Donc ça fait que du coup, ben, parfois on a des stories, pardon je vous tiens de travers, c'est n'importe quoi, c'est la GoPro, on a des stories qui sont un petit peu coupées sur les bords. Et donc ça fait que ben, ça fait chier en fait, quand des fois il y a une moitié de caractère, voire un caractère qui est totalement effacé, qu'on ne voit pas dans la story. Du coup on n'est pas capable de comprendre, enfin on fait un effort, on y arrive, mais parfois c'est incompréhensible ce qui est marqué, parce qu'il manque une lettre au début. Donc voilà, donc c'est un problème que j'ai repéré malheureusement sur ce téléphone. 18/9, ouais, c'est bien pour la prise en main et tout, c'est vachement génial. Mais mon prochain smartphone ne sera plus un 18/9 puisque ben, j'ai plus envie d'avoir ces problèmes bêtes de format d'écran parce que c'est pas standard. Aujourd'hui, ce qui est standard, c'est la 18/9, c'est la 16/9, il y a mon frère qui m'a fait rater parce que ben, il y en a partout. Sur la télé, sur le téléphone, sur l'ordi, c'est de la 16/9, partout c'est de la 16/9, sauf sur les téléphones 18/9. Donc non, la prochaine fois, je prendrai un téléphone 16/9, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc pour moi, ça constitue un problème. Pour d'autres, ils s'en fichent. Bon, voilà, je vous partage mon expérience. Après tout, les vidéos sont faites pour ça. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je tiens encore à vous souhaiter une excellente année 2019 de tout mon cœur et droit dans les yeux, parce que depuis tout à l'heure, je ne regarde pas du tout la caméra. Donc bonne année 2019, regardez bien mes yeux, vous allez vous endormir. Donc oui, très sincèrement, excellente année 2019, tous mes voeux pour cette année, puisque bah, je ne vous les ai pas encore faits. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end et puis à la semaine prochaine, comme d'habitude, sur la chaîne C'est Seb. À venir, j'ai ça en tête, la musique de l'intro va encore changer. Je vous ai retrouvé un petit fichier audio dans un ancien disque dur. Oh là là! C'est aux petits oignons. Oh, mais vraiment, faut que vous soyez là. Vraiment, restez avec moi parce que ça va changer dans pas longtemps. Et... ah, c'est aux petits oignons, incroyable. Je vous souhaite un bon week-end. Ah, ciao, ciao, ciao. Oh là 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 là. Ouh, incroyable ce truc.